Une Américaine de 20 ans s'est rendue sur le territoire de l'État islamique en Syrie en novembre dernier et appelle maintenant les gens à terroriser sa terre natale. Oda Mutana a quitté les États-Unis en novembre dernier après avoir dit à sa famille qu'elle se rendait à Atlanta pour un voyage scolaire. Elle s'est plutôt rendue en Syrie via la Turquie. Mutana utilise un nom différent sur Twitter où elle appelle les musulmans américains à terroriser les koufars. Koufar est un terme arabe dénigrant qui fait référence aux non-musulmans. Elle a écrit que les musulmans aux États-Unis devraient fusiller les gens durant les parades et autres rassemblements. Mutana s'est radicalisée lorsqu'elle a étudié l'interprétation extrémiste de l'État islamique. Peu de temps après, elle a marié un djihadiste australien qui a été tué lors de frappes aériennes jordaniennes. Le père de Mutana craint maintenant pour la sécurité et le futur de sa famille à cause des actions de sa fille. Pour des commentaires drôles et nos vidéos inédites, visitez fr.tomonews.net.